Salutations à YouTube. On joue un petit Lost. T'entraînes pour demain. Mais en même temps, je joue malade là, parce que là, le Grid Your Mode, il était inquiétant. Hein. Certes, on l'a terminé, mais je me suis fait toucher 12 000 fois, quoi. On cherche une dingue pour commencer quand même, non? Ah oui, c'est vrai que j'ai un rôle. Ah, on peut avoir une TP Devil Deal dès le début qui est forte. Oh là, 3 pilules pareilles. Cauchemar. Ok, heureusement, sinon j'étais mort. J16 est un très bon objet, mais... pas vraiment un starter, quoi. Ah, mais j'ai envie de jouer, quoi. Moi, je veux game. Moi, j'aime bien game. Je suis un mec qui aime bien game. Il faudrait que j'arrête, hein. Quand ça devient impossible, ça devient impossible. Hein. Vous avez le droit de reset demain? Oui. Tu peux hard reset pour essayer de trouver un bon starter. Ah, fait chier, il y avait... Ah, il faut que je m'occupe de ma machine de don. Il y a un rocher marqué, mais bon... Small Rock me met mal, les cœurs bleus me servent à rien. Vas-y, on peut trouver un truc dans les vases aussi. Solide. Je prends pas starter deck, je pense. Oh l'emmerdement, oh l'emmerdement. Oh, merci de knockback, hein. Cauchemar. Attends, je joue quoi, là? Hush. Hush Delirium ou Mother, ok. C'est vrai que j'aurais pu full clear le premier étage si jamais il y avait une de ces salles. Enfin... je suis chiant d'avoir zappé la clé, mais bon. Le devil m'a permis de terminer cette salle, sinon ça aurait été un cauchemar. D'ailleurs, faire des proutes. Oh là là, oh le sale bail. Sans merde. C'est ça de commencer avec P6 quoi, mais bon. Moi j'y crois mort. Curse of the Blind qui va nous donner Soy Milk là. Un délice. Ou un Libra. Oh le petit Libra surprise. Ensuite Soy Milk et Libra ensemble. Là on parle.
serait bien de faire le shop first en vrai. Dans le très rare, la très rare situation où... Où il y a un truc... Enfin le There's More Options doré. Pour avoir le choix entre deux objets dans la salle d'objets. Mais comme tout à l'heure... Mais déjà il me faudrait une deuxième clé. Là j'ai 32 balles donc faut pas faire le shop avec 32 balles, c'est enfin 31 balles, c'est Feels Badman, c'est bon, c'est réglé. Oui je suis en blind, ah oui ma vie pue. J'ai oublié que ma vie puait, ouais, donc on va probablement ignorer le shop. On pourrait ignorer. Putain mais j'en reviens pas tout à l'heure, la Run Eden avec Planétarium directement sur la salle de spawn quoi, 1% de chance. Regardez cet objet insane. Useless avec lui, oh non. J'aurais dû blind reroll. En sachant que le jeu allait forcément me baiser. Ok. Très joli skin, c'est vrai. On a un look, on a un style, on a un flow. Gros flow. Ah ça me rappelle. Hein. Ça y est, on a commencé la troisième saison de Sex Education. Trop cool. C'est rigolo. Vas-y. Oh vas-y, on y va, on y va. On réfléchit pas, on y va. I play Pokémon Go every day. Souvent une déception, hélas. Ok. Petite chanson sympathique. Allez, va dans les flammes. Voilà, c'est ça qu'on aime voir. Mais pourquoi je fais ça? En Curse of the Blind, motherfucker. Mais 6 minutes 20, et je joue Hush là. Flooded Case, mais bordel de merde. Oh là là. Quelle vie. Et il est où mon Pokémon Go là? Il est où mon Ghost Pepper? Parce que là il y a le Luck plus 10 qui va tomber hein, dans pas longtemps. Sauf si je meurs bien sûr. Ce qui n'est pas impossible. Vous êtes où? Bonjour. À 4 de dégâts, hein, c'est pas une dinguerie. Hein. Il a fait prout. Oh, le Devil Deal terrible. Hein. Le jeu m'a counter. Counter brain. Oula. J'ai reroll, hein, j'ai pris à droite et c'était l'altar sacrificiel. L'autel sacrificiel. C'est à chier. C'est mieux. Ok. Le choix entre deux objets de boss. Ah oui merde, je pouvais bomber le marchand par contre. Ça coûte rien. Ça rapporte un peu de pourcent. Attendez, je vais faire une salle en plus. Ah! Oh ça y est, j'ai un ami. Oh, il va vivre. Voilà, voilà. Non, mais vous savez qu'il n'y a qu'un seul ami qui vaut le coup avec Pokémon Go, c'est le poussin. El famoso.
c'est quoi l'idée? Un coup c'est dead. Deux coups, parce que j'ai le Holy Mantle, donc à chaque salle j'ai le droit de me faire toucher une fois. Treasure map c'est mieux. C'est une blague. Alors, j'ai bien la trouvé quelque part cette pièce. Par contre niveau speedrun là, ça se pose pas là. Hein. C'est un drame même. Oui, quoi que c'est vrai que le cooldown du Holy Mantle qui a été nerf, ça c'est terrible, hein. Ça m'a fait perdre des runs imperdables. À peine tu te fais toucher, tu l'entends péter que t'es déjà mort. Tu t'es pris un deuxième coup sur une salve de larmes, c'est plaisir. Ouais. Oh, ça va être chiant ça. Oui, bon, j'ai risqué, mais je voulais optimiser le DPS parce qu'on s'emmerde, quoi. Paille de mort. Ouais, c'est un space bar item de mort, ça, on est d'accord, hein, ouais. Ah, pas mal. Non. J'ai besoin d'une pièce. Oh, 9 minutes 43. Ensuite, j'ai déjà fait le boss rush, donc on n'est pas obligé de le faire, c'est la bonne nouvelle. Si on trouve une carte de TP, on pourra voler un objet. C'est quoi? Mais c'est encore un sbire. Poor guy. Ouais, vraiment, il a une durée de vie très limitée. Hein. Ok. On va prendre la treasure map. Ça va nous aider justement à aller vite derrière. Oh les Raiders! Tip Stevens! Merci beaucoup pour le raid, bienvenue! On joue à Isaac éternellement. On est parti d'une nouvelle sauvegarde sur Repentance. Et on avance, et là on est sur The Lost de ses morts, ce personnage qui ne peut se faire toucher qu'une fois. Par salle. Sinon il meurt. Formidable. Oui, en effet, il y a un rocher marqué, mais comme je l'ai dit, vu que les cœurs bleus me servent à rien et que le small rock me mettrait à moins 20 de speed, j'hésite. La France hésite. Voilà. Démonstration, comme vous pouvez le voir, du problème. Mais attendez, c'était inesquivable là, en fait. C'était pas genre inesquivable? Sympa. Oh, bibliothèque? Alors peut-être. Ah, marrant de cette salle. Ah, ça donne envie de trouver les 25, hein. Fallout Penim, ça a rien, c'est un revenge trinket. Waouh, c'est très décevant. Ok. Ah mais Burning Basement, oh non mais quelle souffrance. Évidemment que la bibliothèque est tentante, mais quel emmerdement. On va rester là. Hein. On va chillax. C'est chill par ici, c'est chill. Bah voilà, problème résolu. Et l'objet aussi. Ok, ça c'est insane. Déjà, on va prendre Bookworm. On va use ça. Ok. On va use ça. C'est qui mon pote? Ok. On va prendre ça. On va le mettre dans le D6 éternel. On va roll. Ah, ensuite, il y a un monde où on garde le Book of Shadows. Hein. Attendez, bip satanique, j'ai une chance d'avoir un Devil Deal si je l'utilise. Oui, mais je suis con, faut que j'utilise tous les bouquins. Oh là là, ouais, j'ai pas optimisé du tout. Je m'excuse auprès de la commu. Si j'utilise tous les bouquins, je me fais des trucs. Je me fais des orbitoses. Je m'excuse auprès de toute la commu.
Ok. C'est incroyable que tous les bouquets ont tenu par contre, hein, parce que c'est quoi, 20-30% de chance qu'ils despawnent. Mais non, ouais c'est pas grave. Enfin, c'est con parce que une fois qu'on sort de la rotation des bouquins, ça devient des objets. Hein. Ok. Mais oui, j'aurais dû prendre Book of Shadows. J'ai trollé, mais c'est pas grave. Je suis un passionné. Pas de ma faute si je suis un passionné. Ok. Je sais pas ce que fait la flamme d'ice du coup. Exactement ce que je voulais. C'est pour ça qu'on a utilisé le bouquin de mort. Ok. Et j'ai... Ah oui, par contre, j'ai oublié d'aller reroll. Il existe encore ce bouquin. J'ai complètement oublié de reroll le manuel. Idiot. Ouais, j'avais deux rolls en fait. Book of Secrets. C'est beau ça. Hein. J'ai une carte Death. Hop. Boring. Une clef. Ah, pas mal ce premier étage. Bravo. Ensuite, probablement une erreur de pas avoir gardé le Book of Shadows. Mais moi j'ai envie de grid. Moi j'ai envie de m'amuser. J'aime beaucoup l'amusement. Pourquoi j'entends des bruits de flammes qui disparaissent, bordel de merde? Non, il ne faut pas. Il faut résister. Ah, c'est trop marrant, mais ça gagne pas des games. Hein. En fait, je sais qu'il fallait faire shop en premier, mais je voyais que j'avais pas d'argent non plus. Ouais. Ah, les sacs, ça peut être ok, même si c'est beaucoup moins fort qu'avant. À voir. C'est quel est celui-là? C'est le lait de soja, le soy milk, qui anéantit mes dégâts, mais me donne un tirate malade. Je tire des milliards de petites larmes. En mode Gatling Gun, mais pas dingue. Dice Room, ah bah j'ai clé infini. Oh bah parfait ça. Bah let's go. Vas-y, Dice Room, Forget Me Now. 3. Tout ce qu'il y a là ne m'intéresse pas. Voici le pognon, oui. Ah, le 11. Le Unluck, on prépare notre Ghost Pepper, vous inquiétez pas. Bon, je tape... Ah oui, ça fait un effet aléatoire. Bon, je tape... Je vais taper de mon bouquin dans le vent, parce qu'on sait jamais. Attendez, le shop, j'avais des trucs à reroll. Putain, je me souviens de rien. Le mec ne se souvient de rien, c'est très impressionnant. Ah oui, non, il y avait le sac qui m'intéressait vite fait. Putain, je suis Angel Room 100%.
c'est le bouquin de Bethany, ça? Ah ouais, c'est incroyable, j'avais oublié ça, ce détail. Ah, du coup, ça reroll. Ça reroll les consommables du shop en vrai objet. Hive Mind. Oh, si j'avais de l'argent, le combo Hive Mind et le combo là est intéressant. Hein. Hive Mind et invoquer des araignées. C'est trop cher. Peut-être je roll. Je pense que je roll et j'essaie de trouver vraiment une dinguerie. Une ceinture ou une boussole. Du mapping. Ça doit être bien, non? En général, c'est toujours bien, un birthright. Ah mais je l'ai déjà eu. Je crois que je l'ai déjà eu. Je crois que j'ai une résurrection ou une connerie du genre. Et avec Tainted Lost, c'était autre chose. Mais ok. C'était pareil, putain, je sais plus. Je sais plus si j'ai eu avec Lost ou Tainted Lost. Ok. Bon. Ok. Ah merde, le boss va être là et du coup je vais... Bah non, c'est pas besoin. Oh oui. Oh merde, si j'avais eu ça avant, j'aurais fait le play Hive Mind et machin. Bon, ça m'a pas donné tant que ça. Ok, faut y aller, hein. Ça, lui, il va se faire découper. Ça, c'est très bien. Guardian Angel, probablement Harbinger, ça peut me troller avec les mouches qui pètent. Sinon je tente le roll et je suis dégoûté. Ah non, sinon je bombe, je me tape le boss. Et je ship à mou et je tente le triple reroll. Et tout disparaîtra. On va faire ça. Hein. Ah mais il n'y a pas une grande probabilité qu'il me débloque les objets que je viens de débloquer. Genre le sang, le sensor et... Ouais, on va faire ça. Hein. C'est lequel? Ok, c'est lui. C'est un bon gars, lui. C'est un incompris, c'est tout. Ok, ça c'est free. Oh, j'ai besoin de pognon, mais c'est à... C'est le stairway tous les jours, hein. On est tellement tôt dans le run, là. Ok, j'ai besoin d'argent. Cluster, ouais. Chaque début d'étage... J'ai accès à une salle spéciale où il y a des god items en vente. Donc évidemment, un petit secret art, on dit pas non. Pourquoi je les prends? Lui, il pourrait bénéficier du truc où on récupère les cœurs bleus pour gagner des stats. Parce que contrairement à Keeper où ça se transforme en mouche, lui c'est hoquetière. Il prend les cœurs bleus, même si ça lui sert à R. Par contre, bon, on oublie le boss rush déjà, mais je suis censé faire Hush. Hein. Ensuite, on peut toujours... On peut toujours... se retourner sur... Mother. Le pendentif marche pas sur sur Lost. Ah, il faut avoir les cœurs bleus dans une barre. Putain, c'est triste. Feels bad, man. Mais non, on peut pas se retourner sur Mother, je suis con. Mother, il faut faire son arc de mort.
Ah oh ouais, c'est un oui, ça. Hein. Un mago, hein. Ouais, c'est le rougeau. Oh, j'ai eu si peur. Oh, j'ai donné une pièce à l'autre con. Ça aurait pu être pire. Il faut se dire. J'ai pas peur. J'ai paniqué. Et putain, j'aurais pu me faire niquer deux fois. Attends, c'est le burst rack qui fait ça? Ah non, c'est une de mes larmes qui a dû me donner du mapping. Ok. Bouclier, évidemment. Hein. Servira contre H d'ailleurs, si on y arrive. Pas raisonnable, hein, mais bon. Ah mais c'est ça, c'est mon dé, c'est mon dé machin qui m'a donné du happing, je suis sûr que c'est l'alarme du dé du cul. Ah non, quoi que ça devait être celle du Book of Secrets plutôt. Bon, les magasins on les ignore je pense maintenant. Polydactyly, c'est quoi? C'est double objet? Double carte et compagnie. Enfin, c'est fine. Oh. Si c'est Bob's Brain. Allez, c'est nul. Mais c'est pas dangereux. C'est l'essentiel. L'argent, c'est parfait. Et c'est vrai qu'il faut que j'ai 15 pièces pour après le boss. Oh, je suis con avec le bouclier, j'avais pas besoin de claquer death, il y avait aucun danger. Enfin, c'est pas grave. Oh, le cauchemar. Le bouclier va nous full PL. Je regardais pas, je regardais ma map. Regarde. Il me manquera une pièce. Attention. Bon, un orbital en plus, c'est pas si mal. Godroom. Ah, j'ai pas bombé le marchand. Bon, j'y crois à mort. De faire une pièce. Le stram serait quand même d'aller au shop. Hein. Je sais pas pourquoi je m'inflige ça, mais. Non, c'est bon. 12,50, on est lent. On est lent. Oui, c'est cave 1. Oh là là. Ah non, mais il faut vraiment que. Il faut qu'il se passe un truc broken as fuck là. J'y crois à mort. Parce que là, je fais rien en fait. Si je fais pas E, je fais rien. Ensuite, faut pas oublier que je peux juste skip le boss rush. Il y a plein de trucs là. L'urne c'est bas, on se refait le move de merde. Je pense bien, ouais. Ok, c'est le sympa. Holy shit.
Ok, hop. J'arrive. L'argent c'est réglé. Y'a quoi là? Est-ce que ça vaut le coup de se battre? J'ai perdu. Oh putain, j'ai cru que j'avais perdu le truc. Oh. Allez, on l'attrape. Attends, il était pas parti à gauche? C'est parce qu'il y a une secret room. Elle est en haut ou en bas? Je dois le savoir. Sinon, ça va être chiant. Ok. Voilà, je sais pas où il est. Probablement à gauche. C'était du fion. Maintenant, c'est Mystère à boule de gomme. Hein. Oh là là. Il me faut un daddy's long legs. Et on peut AFK hush. Ok, c'est chiant. Ok, en fait, j'ai devancé Star of Bethlehem, mais c'est pas grave. Oh, la puissance. Ça va le deal, ouais, on peut y aller. C'est une fausse bonne idée, ça, non? Ah oui, c'est contrôle tirs à gauche. À chaque fois que c'est là que je confonds, hein, il le sait. Shell. Je confonds avec l'activable. Gauche, c'est les contrôle tirs, ouais. Moi, je trouve que, en fait, un build l'arme comme ça avec Death Touch, quand c'est très puissant, c'est mieux. Les deux ensemble sont craqués, oui, c'est sûr. Mais je peux pas prendre les deux. Pourquoi elles sont 10 fois moins grosses que tout à l'heure? Ah mais y'a ça, c'est pas grave. Go. Par à droite. Allô, c'est oui. Oui, elles sont contrôlées mes tirs. Réveille-toi. Wake up. Du coup, j'ai la chef pour savoir où on va. Je vous laisse ici, mais j'aurais dû y penser. Ah, mais non, putain, mon pognon, gâché mon pognon. On avait dit qu'on dodgeait les shops. Ah, bon, on a de l'argent. On reste frais. The Lovers. Ah, il me faudrait une carte de TP. Mais putain, mais oh là là, c'est curse de mes couilles. Je suis où là? Mais non, mais je sais que c'est pas haut. Oh, le curse de mes couilles, le curse of my balls. Bon, ok. On peut avoir une salle. J'ai 9 bombes. En vrai, on s'en fout de pas jouer. On est sûr d'avoir Hush, c'est juste le boss rush qui peut être problématique. Il y aura pas de salle de mes couilles, c'est souillé. Oui. Ah putain, j'aurais pas dû claquer la boîte de Pandore.
pas skip les shops parce que j'ai le shop Godroom au début de chaque étage, donc en vrai... What the fuck, il est parti à droite, donc c'est là et en bas. Ok. Il y a des coffres à chaque room. Ah bah oui, c'est 10 de luck. Une TP? Non. En chariot, ok, en vrai. Du pognon, parfait. Olé! Ah, dommage. Speed. J'ai déjà une piqûre, non. Bon, je vais le prendre quand même. Ensuite, shot speed up avec du pénétrant, c'est pas forcément le meilleur. Bah, 17,45. Avec Bob's Brain et compagnie. Est-ce qu'on le veut, Little Delirium? Je peux pas reroll, j'ai pas de batterie. S'en fout, hein, ouais. S'en fout, je pense. Il était parti où? À gauche, hein, on est d'accord? Ouais. S'il y a le crâne marqué, ça serait bien de le trouver. Discutable. Je pense que c'est bien, mais je prends un gros tir d'arme quoi. Mais ça va envoyer hein. Ok, t'es pas là donc. Mais attends mais quoi. Oh il m'a mis une douille. C'est en bas? J'avais pas vu qu'il y avait un truc en bas. Et il continuait non? Did you douille me? Non, c'est jamais là, putain, mais quel connard. Oh, il m'a bien douillé. Je me suis fait douilled. Officiel. 19,33. J'ai tout fait sauf le bon chemin, c'est incroyable. Il était parti à gauche, on est d'accord. C'est-à-dire que c'était là et à... Oh là là. Douilled. Je vais pas l'avoir le boss rush, tant pis. Ensuite, c'est hasardeux de se taper un boss rush alors que l'objectif c'est Hush quoi. Je vais prendre le Devil Deal et c'est tout. Hein. Si j'avais une TP, évidemment, mais. Non, c'est une connerie le boss rush. Let's go. Damoclès. Alors, Damoclès avec Lost, c'est forcément du bonheur, non? Y'a pas de downside, non? Ah non, parce qu'il faut se faire toucher une fois pour que elle se mette en place, non? Si, voilà, c'est OP, on est d'accord. Ensuite, un petit vessel. Ah oui, un petit vessel me donnera... Me donnera des... Des boucliers de temps en temps. Et, mais si je retrouve Dead 4, par contre, je vais mourir... Oui, mais du coup, avec l'échelle, ah oui, il y a peut-être une synergie.
Oh du coup j'ai... Oh là là, par contre je sais pas ce qu'elle fait la flamme épée de Damoclès, j'ai un peu peur. Négatif, forcément. Oui. Ok. Ah oui, à Hush, on masse truc. Non, ça change. Merde, c'est quoi ça? Ah, Eden Soul, c'est le truc... non. Attends. C'est pas le truc où on recommence avec un objet à la run d'après, là. Ah, c'est le truc en 12 charges? Quoi, non, mais vous êtes... C'est comme la boîte? C'est quoi la différence entre ça et la boîte? Ah, deux items de la salle de la poule dans laquelle je suis. Ouais, non, mais c'est bon. Ensuite, on sait que la prochaine fois qu'on l'utilise, ça sera là, dans une god room. Non, en vrai, je roll, hein. Alors le problème de Trisagion, c'est que j'ai peur que le jeu crache. Ça crachera pas sans split shot, ah oui. Mais c'est mieux, quoi qu'il arrive, parce que j'ai déjà des larmes pénétrantes et contrôlées. Ça me donne quand même un buff de stats. Je sais plus. De toute façon, je vais perdre en deux frames contre The Hush, hein. Ils ont assuré. Hein. Alors, je le prends pour le sortir de la poule. Ok, j'espère un objet. Merde, vous vous souvenez où elle est partie? Oh là là, j'ai pas du tout fait gaffe où elle est partie. Elle a dû partir par là. On va se dire. C'est vrai que j'ai la leaf. Putain, mais il me manque des familiers de mort là. Daddy's long legs là, quand même. Pas de refus. Hein. J'espère que c'est par là. Hein. J'ai un rocher marqué, je crois. 1,60, je pourrais me permettre un small rock. Hein. Pas du tout. Putain, on sait pas où elle est partie. Ça, c'est relou. Ensuite, en termes de temps, on devrait être safe, hein, quoi qu'il arrive, mais. Tout va dépendre du damage cap de Delirium, Hush & Co. Mais Hush, je vais me faire bourrer, hein, je le sais. Hein. C'est imperdable, mais c'est Lost, quoi. Useless à gauche, non? Divorce Papers, pas de bonne art, c'est encore plus de damage. Ensuite, c'est ridicule, hein, mais bon. J'ai pas eu d'autres piqûres.
Ah si, j'ai eu Speedball. Une piqûre, j'ai Spun. Ah oui, mais c'est les deux. Est-ce que c'est Damoclès, c'est ça? Ah oui, bien sûr. Ah oh bah on est content. Ok. Va des rétro, marrant. Mais on, Osef. Alors le sensor, il y a des boss où ça peut être problématique. Genre Hush, non? Hush, il est slow. Enfin, genre, je sais que Mega Satan, par exemple, quand il est ralenti, c'est problématique pour esquiver ses trucs. Ah ouais. Bah, du coup, c'est con, parce que j'ai trouvé les deux objets que j'ai débloqués, mais je les rajoute pas à la collection, parce que... Terrible, ok. Par contre, on a un triple roll, du coup. Ça, je crois que c'est full Osef, mais bon, c'est gratuit. Ça, pourquoi pas. D'accord. Il est parti où? Vous vous souvenez, il est parti? À droite, merci. Faut vraiment que je fasse attention à ça. Ok. Ok, c'est bon. Heureusement qu'elle est très lente. C'est vrai que je claque des dés juste pour avoir les larmes, hein. J'oublie de le faire. Dommage. Bon, par contre avec le cercle là, je sais pas risquer avec Trisagion. Le cercle qui va triper dans tous les sens. Je pourrais lui donner des bombes, mais en vrai, non. Ah, c'est chiant. Ok. Hop. Oh non. Oh, j'ai oublié l'échelle. J'ai oublié l'échelle. Des excuses à la commu. D'un côté, il pourrait y avoir Black Candle, mais c'est un sale gamble. Et d'un autre côté, on aura quand même encore une échelle à Delirium. Oh là là, on va se faire baiser. Mais il y a un Daddy's Long Legs, j'ai gagné. Ou n'importe quoi, n'importe quelle famille qui fait sa life. Ah, je choisis en fait. Ok, Warm Friend, marrant. J'ai oublié d'utiliser Bob's Rotten Head. Oh, fait chier. Il n'y a plus de batterie dans ces trucs-là. Warm Friend, c'est gagné. Ne dites pas ça. Hein. Oh, il vient pas, ce bâtard. Putain, j'ai loupé la ladder. Et là, j'ai plus de pognon. Attendez, obligé. Oui, échelle de corde. Putain, non, là, la ladder. Ensuite, j'ai eu Sacred Heart, hein, je veux dire, on pouvait difficilement faire mieux.
Non, j'ai pas eu Sacred Heart, mais avant j'ai eu Sacred Heart, si tu regardes le tracker. J'ai eu le cœur pourri, mais j'ai eu Sacred Heart avant. Ok, je vais mourir, hein, je le sais. Allez, je tente l'AFK. Le problème de tenter l'AFK, c'est que c'est dangereux. L'Angry Fly qui fait le taf en plus. Bon, le problème c'est qu'après il va appeler ses sbires. Mais l'Angry Fly qui direct décide d'aggro, ça fait plaisir. Ah, attention hein. Cette manette, il ne faut pas. Faut toucher à rien. Hein. Oh, merci Yoigam pour le sub. Merci Maxime 13 pour les 75 ans. La bouteille de vin est excellente, bien sûr. Merci Simestro, Romanov, Zagzag, Steven, 3620, Jojo 1er, Isamba 11, Monsieur C4, merci Flakas, Grain Reaper, I'm Swan, Monsieur Sidesafe, Elixo, Armalus 701, Toinouloulou, Zerion X, merci beaucoup. Je rappelle évidemment que nous sommes sur le September. Moins 20% hein, sur les subs et les subgifts afin de devenir comme Gotaga. Oh merde, le jeu s'est mis en pause parce que j'ai fait ça. Oh là là, oh la dingue, imaginez. Ah mais en plus j'ai mon aura, ce qui fait que j'ai même pas à être trop inquiet. Et l'Angry Fly qui reste focus hein. Elle fait le point, elle est focus. Ah oui, ça fait un peu Snoop Dogg, quoi. C'est vrai que ça rappelle un peu Snoop Dogg. Regardez. Gameplay Snoop Dogg. Putain, quel génie, ce mec. Bon, il avait fait son OPSP, là. Sur un vieux FPS. Et il fumait son ouin. J'ai regardé son téléphone. Avec du faux gameplay derrière. C'est vrai qu'on aurait pu faire une petite pause pub pendant ce boss, hein. Bon, la bonne nouvelle, c'est que l'Angry Fly et le Worm Friend ne lâchent pas Hush, alors qu'il y a tous les sbires. Ah si, non. Oh non, oh ça y est, c'est la lose. On n'a plus que le Worm, là. Angry Fly est confuse. Ah non, ça c'est chiant. Mais j'ai aucune porte de sortie. Parce que le problème, c'est que si je sors de ce sale bail, derrière, faut que je reste immobile quand même pour me retransformer. Ensuite, j'ai un chariot. Mais à partir du moment où le Worm fait le taf... Là, il y a tellement de bulbes que je peux pas sortir. Hein. Enfin si, je peux sortir en claquant le chariot. Attendez, regardez, le Worm Friend est en train de s'occuper des bulbes. Là, on est vraiment sur du Next Generation gameplay. Hein. Regardez ça. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Bon, l'Angry Fly par contre, elle était bien sur Hush là, mais elle fait bien de la merde. Hein. Et non, mais arrête de focus ça, le Worm. Sortez de l'écran. Barrez-vous. Ça manquait d'un Daddy's Long Legs. Hein. Bon, il est où le Worm Friend là? Il est encore en train de s'occuper de Bulb. On est dans une situation problématique quand même. Parce que là, on fait plus de dégâts. Hein. Oh oui, reviens vers moi. Ça, c'est... Voilà. Angry Fly, wake up. A rush put a little makeup. Merci Drix Drew qui offre 10 subs à la commu. Merci Nikota Popolk 15. Atroxys TV. Zubrov. Merci beaucoup à Drix Drew. On a dit ça doit faire la commu. Faut faire Delirium après. Non mais Delirium, ça sera plus simple.
problème, c'est que j'ai un build absolument broken, mais je suis convaincu qu'avec le damage scaling, il peut se passer des accidents. Je ne prendrai aucun risque. Ma dignité est moins forte que la victoire. Attendez, la Angry Fly est en train de bosser à mi-temps, regardez. Là, on a quand même une amélioration du DPS qui est notable. Et pourquoi il squatte autour de Hush, là? Venez, là, il faut qu'on arrête ça. Oh non, non, il est en train de chier 12 000 bulbes. What a life. L'Angry Fly, elle est encore là. L'Angry Fly, elle taffe. Ça reste moins chiant que Death Stranding. En vrai, oui. Parce que je joue pas. Mais il y a du spectacle, ça bouge, il y a des lumières. Il y a un light show, il y a une proposition. Death Stranding, je joue et c'est insupportable. Ok. Attendez, attendez. Oh, c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Oh oui. Oh, c'est con. Il était venu prendre le cac, c'était bien là. Ah là, il n'y a plus de DPS. Là, oh non, attendez, il revient dans la Angry Fly, du génie. Ah mais non, mais vous le bloquez, il est plein de bonnes intentions, mais il y a un bulbe qui le bloque. Oh, il y a trop de bordel. Oh, j'ai envie de claquer un chariot. Là, il faut que je reste, faut que je garde calme. Là, regardez, la Angry Fly bosse à tiers-temps. Je garde calme. Cassez-vous les mouches, voilà, le worm va encore... Miss Focus. Oh, il revient à gauche. Oui. Oh là là, c'est le mi-temps. C'est le retour du mi-temps de l'Angry Fly. Quand il y aura assez d'ennemis des pop, il va ressortir. Oh non, mais là, il troll, là. C'est très grave. Voilà. Magnifique. Merci Red Ryu pour les 50 ans. Merci beaucoup. Et voilà, mais c'est pour ça. On retrouve enfin ce qui a fait, évidemment, la réputation de cette chaîne. De l'emmerdement XXL. Et il est déjà 2h20. On voit pas le temps passer. Hein. Par contre, avec Damoclès... Non, mais justement, on joue The Lost. Ce qui fait qu'on n'a jamais pris de coups. Donc on a tous les effets de Damoclès sans les désavantages. L'épée ne nous tombera pas dessus. Ok. Tu comprends pas. En gros, j'ai eu la feuille mâchée. Si tu vois là, l'avant-dernière ligne de mes objets, le troisième, c'est une feuille mâchée. Hommage à Super Mario Bros. 3. En gros... Si je ne bouge pas pendant une seconde et quelques, je deviens une statue invincible. Si je rebouge, je redeviens invulnérable. Et en fait, là, j'ai deux objets. Enfin, j'ai deux familiers. Plus ceux qui sont corps à corps avec moi. Mais j'ai deux familiers qui attaquent. J'ai la mouche rouge, la Angry Fly. Et j'ai le Worm Friend, qui est cette espèce de tentacule qui sort de temps en temps pour choper des ennemis. Et donc tout mon DPS se passe là. Et là, je viens de comprendre. En fait, le Worm Friend attaque l'ennemi le plus proche de moi. Donc là, il était en train d'enchaîner Hush en boucle. Sauf qu'il y a ces connards qui sont sortis. Ah non, mais Hush, là, il faut choisir. C'est gauche ou droite. Au bout d'un moment, il faut faire un choix. Hein. Alors, dans les deux cas, tu te feras pourrir. Sur les réseaux sociaux, mais il faut faire un choix. Oh, ça, c'est un très bon move. Ça, c'est un excellent move. C'est très stressant, mais c'est un excellent move parce que là, du coup, ma boule de pansement plus mon halo de lumière fait des dégâts.
c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Bon, la Angry Fly elle est partie, hein, mais c'est pas grave. Et en plus, le Warm Friend le défonce vu que c'est l'ennemi le plus proche de moi. Oh là, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. En fait, ce qui aurait été broken comme objet, c'est la succube. Ah ouais, mais là, on lui met ce qu'il mérite. Hein. Incroyable. J'ai un rôle. Ah oui, mais non, je garde mon rôle pour... Stairway. Allez, go DRM. The Mind est fine, mais en même temps, le mapping, on s'en fout parce qu'on va un peu full clear avec notre build. Hein. C'est un rôle évident, non? Mais je suis en curse là? Ah non. Il est loué FK. On va dévier les balles. Oh là là mon dieu, j'ai un peu peur. Vous avez pas peur que quand le Trisagion va passer dans le Dark Side of the Moon? Ça va le faire. Gauche pour la star. Oui, c'est vrai qu'en suivant la star, on a zéro embrouille. Attends, tu le prends pas, hein. Ok. Ah, étoile S. Salutations. Bon, là, t'arrives sur une game où on a un build jouable, quoi. Ça joue, quoi. Vas-y, je vais claquer mon objet à max. Je crois que j'en aurais besoin contre les boss. Ah, et s'il est là, ça la fout mal quand même. Attendez. Ah non, il peut pas être là. C'est impossible qu'il soit là. Bah, c'est parfait. Comment ça se passe le backpack du coup? Non, je le prends quand même. Bon, j'aurai le droit à un deuxième objet activable. Mais qui ne sera pas impacté par le bouquin quoi. Ok, là aussi Delirium peut pas être là. Ah, Satan, ça va être chaud quand même. Est-ce que c'est vraiment un bon choix, Blue Cap? Je suis pas encore capé niveau T-Rate. On va chercher autre chose. Oh, ce run, les amis, quel plaisir! Merde, putain, j'avais mon rôle. Idiot. J'ai toujours ma flamme sacrée de Damoclès, j'ai un peu peur quand même. Hein. Un peu peur que ce soit une dingue. Luck up. Ah oui, putain, si on trouve Ghost Pepper. Ah là, Joe, il va peut-être crash si on trouve Ghost Pepper. Non, ça peut être Delirium. C'est possible. Ça peut n'être connecté qu'à l'entrée. Quoique ça peut sortir du 13x13. Faut voir le reste du donge.
62 de dégâts. On est là. On est plus team Chariot ou team Hermite contre Delirium? Team Hermite probablement. Les deux. Ah oui, j'ai le droit. Mais papa, tu triches? Oui, mais j'ai le droit. Mais j'ai jamais reroll mon blue cap, non? Si. Ah si. Oui, j'ai eu Ledge Key et Blood Clot. Si, si, oui. Bonjour. Le temps des tempêtes. J'ai perdu mon truc, je panique pas. Imaginez l'araignée m'aurait tué. Oh là là, j'arrêtais. Je cancelais demain, je m'en allais. J'arrêtais de streamer. Safe ici. Oh, je me demande combien de dégâts j'ai quand je suis dans la Star of Bethlehem. Ça doit être un sacré délire. La star va sur Delirium, ouais je pense, mais évidemment le gros problème de Delirium c'est le fait qu'il va me tartiner. Hein. Moi je pense que Delirium on le joue à FK, hein, 100%. C'est pour ça que j'aimerais bien trouver un Daddy's Long Legs ou encore un truc bien sale. Un truc qui fait sa life quoi. Oh spun. Oh one up. Holy shit. Mais du coup one up déclenchera Damoclès. Attention hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon dieu. Damoclès Leaf, ça marche, bonne question. Fairs up, on a dit que j'étais capé, hein. Donc c'est roll. Non, c'est pas Fairs up, c'est shot speed et machin. Oh, c'est de la merde alors. Ça, ça fait tir shot speed aussi, non? Bon. Bonjour. Oh, quelle arnaque, ça fait plaisir. TP à Angel Room ou Devil Deal, alors j'aurais pas dit non. Hein.
Des cœurs bleus partout, c'est le mitre ça. Ah oui, il y en a partout, putain. Bon bah on sait où est Delirium, hein. Oui, pas de roll. J'avais quoi à roll encore? Ah oui, un objet là. Quand je suis en chariot, si je bouge pas, il m'active quand même le node leaf. Parce que ça, c'est important comme info. Hein. Et ça, je m'en souviens plus. Transformum couteau dans le cul, c'est vrai que ça pourrait servir. C'est normal pour activer le node. C'est ce que je me dis aussi parce que quand je suis en chariot, je peux pas attaquer non plus. Donc je pense que ça me met dans le mal. Évidemment, pour le beau jeu, on aurait envie de l'attaquer au début quand même, de faire genre quoi. Faire genre on était là quoi. De toute façon, dès que j'entends le truc, faut que je... dès qu'il y a choc, faut que je sers un. Hein. Faut vraiment pas déconner là. Bon, je pourrais prendre ce coffre, mais je suis terrorisé par l'enjeu. Ok. J'y ai cru. Hein. 40 000 possibilités, mais j'y ai cru. Et ça, c'est beau. Je vais cracher. 100%. Je continue à... Je m'arrête. Bravo. Venez, venez en moi. Venez trouver la paix. Venez trouver la paix. Patrisaillon, il a failli planter. Hein. Je l'ai senti là, à un moment, ça ralentissait. Je me suis dit, oulala, surtout que j'avais pas fait d'échappatoire. J'aurais recommencé l'étage. Bravo, Lost. Ah, bel unlock. Du coup... Oh là là, il n'a plus que Mother à faire. Bravo. Quelle coach. Ah, merci Étoile, bisous. Merci Finaro07, Zazanyu, Nierdai pour les resubs. The Wotan m'a raidé avec une... Putain, mais j'ai loupé 12 000 raids. Mes excuses, merci The Wotan 1283 pour le raid avec 120 personnes. Merci sur Platypus, merci Daz. 445 secrets, on avance hein, mine de rien, bravo. Petite d'air, 2h40, petite d'air, ah, vous êtes dur. On va voir. Des bisous YouTube, hein, bien sûr. Beaucoup de plaisir. Seulement 1h16. Oh là là, on est gâtés.